Premièrement, c'est Le Club des incorrigibles optimistes. C'est un roman qui est paru en 2009, qui raconte l'histoire d'un adolescent parisien au début des années 60 à Paris. Euh, il, va, il est dans une famille qui, est, qui a des, pas mal de problèmes. Et pour euh, se changer les idées, il va dans un café qui est à Denfert-Rochereau pour jouer au baby-foot. Et là, il rencontre des émigrés d'Europe de l'Est qui ont fui euh, l'Allemagne, la Hongrie, la Russie. Et il va devenir ami avec eux. Et chacun d'entre eux va lui raconter sa vie, et les deux histoires vont se mêler. La vie de cette adolescence qui rencontre, euh, les problèmes qu'il a avec sa famille, avec la, la jeune fille qu'il aime, etc. Et toutes ces histoires vont s'entremêler jusqu'au moment où il va découvrir un, un terrible secret qui lie les, les différents membres du club les uns avec les autres. Et un, on peut dire que c'est un roman sur les grandes utopies du XXe siècle. C'est-à-dire sur une des grandes idées qui a traversé le XXe siècle, c'est-à-dire on veut faire le bonheur des hommes. Et malheureusement, à chaque fois, ça a mal fini. Et donc, c'est une idée récurrente dans le roman. On veut faire le bien et on fait le mal. Et ils s'interrogent tous pourquoi est-ce que ces belles idées, comme le socialisme, le communisme, qui étaient sur le papier de très belles idées n'ont jamais marché n'ont jamais réussi et ils sont tout le temps en train de, de recommencer à faire le monde et ils sont plus incorrigibles qu'optimistes ils ne sont pas très optimistes par contre ils sont relativement incorrigibles et dans, dans l'autre roman le, la vie rêvée d'un estogé c'était pour moi euh, l'envie de raconter l'histoire d'un homme qui aurait pu être membre du club si c'était sauvé mais il ne s'est pas sauvé. Il est de la même année finalement que les autres. Il est, il est né en 1910. Et c'est l'histoire d'un centenaire. On va suivre sa vie de 1910 à 2010, quand il fête son centième anniversaire à Prague. Et on va le suivre, lorsqu'il est jeune étudiant à Prague, il vient ensuite à Paris faire ses études. C'est au moment du Front populaire, il pense aller faire la guerre d'Espagne. Finalement, c'est un étudiant très brillant. Il réussit euh, l'Institut Pasteur. Il rentre à l'Institut Pasteur d'Alger. On va le suivre à Alger où il rencontre la femme de sa vie avec lequel il va avoir pas mal de, de difficultés. Son retour ensuite euh, à Prague euh, en 1945, l'avènement du communisme en 1948, c'est sa vie euh, compliquée, complexe, c'est des, des, des histoires des hommes confrontés à la grande histoire. Et c'est un peu le même thème aussi, les mêmes thèmes que dans euh, le, le Club des Incorrigibles Optimistes, avec l'histoire en arrière-fond. Euh, sur l'histoire du XXe siècle, sur les grandes utopies du XXe siècle, certaines qui ont euh, heureusement réussi, d'autres qui malheureusement n'ont pas euh, avancé. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi de le faire, de lui, le faire rencontrer. Un des, des, un des hommes les plus importants, du 20, enfin les plus importants, les plus célèbres en tout cas, du XXe siècle, c'est Ernesto Che Guevara, qui est allé se faire soigner à Prague. Et on ne sait pas pourquoi euh, Guevara est allé à Prague pendant quatre mois, de mars à juillet 66, alors qu'il va mourir en Bolivie en octobre 67. Et aujourd'hui encore, on ne sait absolument pas et pourquoi il est allé à Prague, alors que rien n'aurait ne, ne dû l'amener là-bas, et surtout pourquoi il est resté quatre mois. C'est très très long, quatre mois. Et ensuite, euh, Régis Debray, par exemple, qu'il a très très bien connu euh, en 67 a dit à propos de l'aventure bolivienne où il va trouver la mort le 9 octobre 67, c'est une forme de suicide. Et donc le roman propose une explication romanesque à la mort de Guevara un an après. C'est les événements qu'il va vivre à Prague au cours de son séjour en Bohème de mars à juillet 66 qui peuvent apporter une explication. Et encore, bon, je le répète, c'est un mystère. On ne sait toujours pas pourquoi. Et moi, je montre un Guevara qui est un héros, un anti-héros. Ce n'est pas le héros charismatique qu'on connaît. C'est un homme affaibli, dépressif, déprimé, malade, qui se pose des questions, qui se demande s'il a eu raison de prendre un fusil pour défendre ses idées, et qui se confond justement à ce héros de, du, 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 du roman, Joseph Kaplan, ce centenaire, qui lui est un médecin, qui est un héros anonyme. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de confronter un, un homme qui veut changer le monde avec un fusil à un homme qui change le monde au quotidien. Un héros, du, un anti-héros et un héros du, du quotidien. Et la, le roman, c'est la confrontation aussi de ces deux, de deux idées-là. Le Club des Incorrigibles Optimistes a eu le prix Goncourt en 2009, le prix Goncourt des Lycée en 2009, il a eu le prix des lecteurs du livre de poche en 2012. Et donc, le passage en, en livre de poche, c'est absolument extraordinaire, parce que c'est la, la possibilité pour euh, bah, des centaines de milliers de personnes d'accéder à un livre dont ils avaient pu entendre parler, qu'ils avaient peut-être envie de lire. Et moi, pour moi, je, qui suis un gros consommateur de livres, j'achète plein de livres de poche tout le temps, parce que d'abord, il y a beaucoup de livres qui me tombent des mains. Euh, et donc, ça coûte tellement cher que je préfère investir en livre de poche. C'est beaucoup plus... Euh, Vivant. Il y a un côté familier avec un livre de poche, quelque chose d'une prox proximité qu'on n'a pas forcément avec un, un livre qu'il qu faut ménager. Il y a une, une relation amicale avec le livre de poche qui est très sympathique.